Mboka, bana mboka mbote mingi boza branché connecté na www.congodialogue.com. Moi c'est José Polo à l'international. En direct de l'Afrique du Sud, bon de konjo vous en diaspora mbote mingi. Je crois que vous allez très bien, n'est-ce pas? Quel que soit les vases et marées, bitanyos boye kolanda biso, bazana mikili apoto, je crois que vous êtes toujours na kati ya malili kala mingi te peso si là. Bazana mboka Congo et puis na diaspora mobimba ah pe na kati Afrique du Sud. Mingi na bino nyonso elikeza ete nzamba zali kobatela biso nyonso en fait wabino joso boloa merci na batanso bozo pesa toujours biso na ba émission na biso et puis ya ko soutenir biso de part de près ou de loin na ba conseil na bino et puis na ba temps bozo pesa pona kozala ka toujours branché na émission na bino espace dialogue là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Merci. YouTube c'est toujours Congo Dialogue, website site c'est www.congodialogue. Vous avez coordonné la grand prêtre mère, la grande dame de la Belgique, Maman Francine Ngembe. Hein? Maman Francine Ngembe Lukoka. Merci à vous. Et puis merci à Bagnon Sobazo soutenir Bissot. En fait, c'est la réalité. Moi, Sud, vous allez déjà dans la communauté congolaise, spécialement dans la communauté congolaise. Ils ont participé à Mawa, comme on a. Bon, c'est là qui est un peu mixte. Il y a information, déformation et puis malentendu, accusation d'un côté. Non, non, comme ça, là, il y a un congolais de l'inganité. Alors, mais, il y a un peu de toujours informé. Et puis, il y a une source, il y a une preuve réelle avant que tu aies un petit écran. Tu as confirmé qu'effectivement, il y a un solo, il y a un locuta. Alors, nous avons joué les audio moko tambo na kati communauté congolaise, surtout spécialement na kati Afrique du Sud et puis précisément na Johannesburg, na bato nyonso baza na kati communauté congolaise. Bolanda clip oyo et puis na ko zala privilégier ko benga la personne concernée si c'est vrai ou c'est faux. Suivant. Moni mwana mwasi oyo bandeko soki bomoni mwana mwasi oyo na mobali oyo bokanga bango baotaki kozwa mwana na ngai na ekolo bakosi mama oyo akosi ke oyo mwana na ye baza ba escro ya makasi bazokenda koteka bana na Jobur bo fere attention na mwana mbali oyo na mwasi oyo mbali na ye yeyo nde escro apare wana moni akangi na maboko akenda kanano akangi bilongi ya bana ya ba ajo bazali kotinda ye. Après, ajui bana wana akei koteka bango na Jobur na njela ya Messina. Faites attention, en tout cas na pesi communiquer oyo na bandeko na biso nyonso. Botambusa sango oyo partout, baza ba escro makasi. Attention, attention. Bana ya Jobur, bosala attention na mwana mwasi oyo na mobali na ye. Mobali na ye kombo na ye Sengi. Na njela ya batindikere babenga kae mingi mingi Stone. Nde abombali na kombo ya Stone me kombo na eza Sengi. Tozo lukaye banda jedi oyo akima kina mwana na ngai nana mwana ni te. Soki bomone libiso ye antukabo me maena la polisi mbango mbango. Bandeko bandeko na lingina ye bisabino lisolo oyo ya mwana mbali oyo na mwana mwasho bomone bola ndelongite. Baza na kooperasyon bazo teka bana. Bazoke ndeko iba kabana na ba ekole, na Jobur, fete attention. Mubali oyo kombo na ye, babenga kaye, mingi mingi, papa Sengi. Voilà, bolandio audio, c'est papa ici se plaindre que papa Sengi na mwasi na ye, ba ibi mwana na ye, ba ye koteke en Afrique du Sud. Awa, don bazo sala awa benga, children trafficking. Human trafficking, especially ya bana mike. Ba yibi bana, ba yibi mwana na ye, ba yene na Afrique du Sud hapo na koteke. Donc business na bango, ba mituka, ba tambola na ngo, ba ndako, ba somba na Afrique du Sud awa, ba sala trafic ya bana, ba vente ya bana. C'est vrai ou c'est faux, bozo mwana na ba photo na ye. Alors, souci a koinforme bino, to sali ba recherche, to zui numéro ya papa Sengi, to ye ba sokeze ya solo te alokuta. Bolanda na benga papa Sengi, apparemment il doit être à Kinshasa, plutôt à Lubumbashi maintenant. Toi et Basoki réellement, ils étaient solo. Un papa que moi personnellement je connais, tous en a respect belé panayé. C'est un homme posé, na kati Afrique du Sud d'avoir mais tous là qui un peu déçu. Y a comment na koyoka bongo. Allô papa Sengi. Allô. Boni papa nanga, c'est papa Boloa. Allô. Oui oui. Je vais très bien. Comment vous allez?
Non, nous allons très bien, merci. Papa, on a bien été que ça notre trafic à Bana, vraiment, hein, papa Sengi. J'espère que information wana isa en tout cas une information fausse vraiment. Puisque nous sommes là bas nous pas navi. Voilà, na bengio na bande ko bazola na sope communauté congolaise zozola na biso na minute oyo parce que to boy ki poza na ba spéculation parce que photo et tamboli papa Sengi na mama so ba vivre en Afrique du Sud na jobo parce que ba bazoka bana parti à Lubumbashi ben en Afrique du Sud ba te ki bana ndesa la ke ba vivre présentement aux awa pi pona ba ndeko bazola na biso. Actuellement, je suis à Lubumbashi depuis vendredi soir. Ah, Lubumbashi babi ke ba lukisa yo ki zongi lisu kona vraiment. Bon papa, nga naza na eloko ko banga te puisque c'est une fausse information. Car la personne qui a donc monté information wana même véhiculer information wana, il faut d'abord abanda par ko pesa identité na ye. Voilà. Batoba ye baye que donc ngai par exemple comme ngai Désiré Mobutu tel monsieur a volé mon enfant boye boye boye. C'est comme ça qu'on doit procéder. Sauf que à s'identifier te mbala moka ka bande ko na jouer audio ango bande ko papa oyo na mama oyo. Baibi mwana na ngai. Bon, en fait, dis-nous un peu na ba téléspectateurs, relation ni bozana ngona papa ngo. Comme on est peto yebite à s'identifier pété. C'est ce qui est un peu suspect. En tout cas, merci beaucoup papa Boloa. Ou sinon, c'était un problème. Il y a transport, il y a ba fauteuil kaka puisque na ba batoyo baibi ngai isengi kisumule, je suis un transporteur depuis 2007. OK. Alors, il s'est fait que il y a, je crois, une année et huit mois, Ndeko Nabiso Paul Kasongo Korando, à Pandaka, aux États-Unis, il m'avait appelé pour me dire que non, papa Sengiston, parmi les transporteurs à Djobour, aux Akana, réputation à bien, donc on a NASA sur place, Tessimed, qui a transporté ma fauteuil Nangaï. Je vais t'envoyer $500 au Sombelangaï, ma fauteuil, comme ça, au transportant Ngo Narongo. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, fais ce que tu veux là, moi je vais exécuter ma tâche. Et après, je crois, trois jours, il me dira non, il y a quelqu'un qui va t'envoyer $500 à partir de Lubumbashi. Ok. À Tindiranga Koutou, on a un numéro à Moutouana. Et puis, on s'est appelé un garçon Wana. Après, si c'est deux jours, il m'a fait le transfert là de $500. Il dit ok. Ndeko Paul, je viens de recevoir tes $500. Comme ça, dès demain, je vais mettre un peu de carburant dans mon véhicule, je vais aller dans les différents shops pour prendre des photos et t'envoyer toi-même. Tu vas choisir la qualité de Bakitoli. Chose qui a été faite, je suis allé partout dans la ville, dans Bamoul, dans Zouara Banini, Baraima, je lui ai envoyé. Par après, il me dit là, bon, moi, je lui ai dit, bon, c'est quand peut-être qu'il y a un bon ou il y a un peu de Tindelingaï. Ce que l'ingé, bah, queer, bah, nini, bah, les arabes, 20 000 je viens de trouver une autre personne de me faire achat à Bakiti. Comme ça, toi, tu vas t'en charger seulement à transport et à Bakiti. Je dis qu'il n'y a pas de problème. La bande de Oyo, Zakana, du sud, surtout dans Yoville, Baébi, Punch, Pop, il y a. Vieux Nabiso Moko, donc Kazakana, réputation bien renommée, ma casse, tout le monde a perdu. Dans mon message, il y a un départ double, il y a un bon moyen de faire son bâti qui a été transporté. Comme ça, il y a un transport, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je suis allé le papa double, je suis allé voir le papa double, on a parlé, et donc les jours de venir au Congo, le papa double m'avait donné. Paul, comme moi j'avais déjà
$500 mm-hmm. et je savais que dans le transport Bakiti, on a toujours taxé de 500 à 800 000 par oui. Nous sommes arrivés dans Bakiti à Lubumbashi. Il m'a envoyé par SMS numéro ya copine naye moko waza na Lubumbashi et puis copine wana ya Paul elle est venue prendre Bakiti na agence sur Maniema numéro 26 okay. Et sika bureau na biche zalaka to banda ko décharger. Après deux jours namoni abengi ngali susu pour me dire ah papa singi namoni Bakiti oyo non dirait ça que Toboka, Boye Boye, que tu es bien terbi. Ah mon frère, après toi, tu t'es donné les luxes à Kiti. C'est différent à Kiti, on les a donc non. Allô papa Boloa, vous m'écoutez? Non, je vous attends à 100% papa. Ok, dans le binaï, ok, on a dans les locaux, ça raté. Moi j'ai fait les transports comme tu m'as demandé. Et puis il a continué à me dire, et puis quand on a la Bakiti, valeur à Bakiti, on a valeur à transport, vraiment il n'y a pas de concurrence. Je lui ai dit, Paul, toi tu veux qu'on fasse quoi? Mm-hmm. Yo, il est habitué à passer par les transports. Si tu commences à charger à partir de $500, $1,000. Tu go lingi na salani. Après on a fait une discussion, il y a Mbongo, pendant même plus de 5 jours. Ok. Pour finir, je lui ai dit, bon, Yozakaka, dépôt, mon ami, je lui ai remis $200. Mais je lui ai donné une excuse que, en principe, le prix se discute à partir des jours avant Bakiti et Mata. Ouais. Et toi, tu as attendu, Bakiti et comment pour commis, que Et puis, aux élites, des jours, quitte, c'est commis par Nayokuna. C'est la même prix, mon ami, boy. Il y a des je dis, je vais donner une condition. Au moment où je transporte, comme il m'a calci, ma charge, comme on en a fait, je commencerai à te payer même petit à petit. Ceux qui n'ont vu à ta $50, la ringi penini, copine, yo, yakozoa. Ceux qui n'ont vu à ta $100, la ringi, copine, yo, yakozoa. Ceux qui n'ont vu à Ngunso, allez, na osa la kandengwa. On s'était mis d'accord. Mais là, il ne faisait que me rappeler. Je lui ai dit, Paul, Nicolo, yo, vous m'avez bien dit. Là, on a volonté, on a 100% pour que Narandreau s'y soit. Si tu as dit déjà avant que je t'ai fait confiance, et c'est pour la raison pour laquelle tu m'avais même envoyé cet argent. Voilà. Et papa, n'est-ce que surtout quand je joue Moko, il y a une semaine, Nazaki n'a pas été là, il est à 7h du matin, Batine Delinga, deux photos na voice moko na lobi ah oh na ani na ta imagine na ya mi bale même pas photo ya madame mais photo ya belle sœur na ngai bien ni on dit que ça il a pas moi discussion oh ba chantage wana to ibati mwana na ye boye pa j'ai en tout cas beaucoup regretté. Papa Sengi, donc même la photo que nous voyons ici, ce n'est pas ta femme, c'est ta belle-sœur. Ce n'est pas ma femme, papa. C'est ma belle-sœur. Elle est née dans la famille de ma madame. Mais il est bizarre, mais comment... Alors... Rapport Ninezali entre Makambuya business et puis Namaramba Rokot, c'est qu'il y a un salaire de trafic à Ban. Il a pris d'abord cette idée là où c'est. Naïe Bité, raison pour laquelle moi j'étais surpris. J'étais clair et net, dit Paul. Il y a des choses à la vérité, sourire bien. Et ça, il faut pas commencer à créer des calomnies. Non, il ne faut pas faire ça. Boye. Donc, il a inventé, puisque il y a maintenant 3 jours, il a commencé par m'envoyer un message ébélé, à pardon, quand j'étais encore en cours de route, dans l'imbissaillé, tout ça, boye. Il dit tout ça va. Il a commencé même à m'appeler donc
Oh, il y a États-Unis, mais je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. Moi, j'ai dit seulement, je me suis dit, Fona Zelapena Solana, famille, puisque c'est quelque chose, comment ça lit, ouais, donc, pour qu'il ne pas quoi. Il faut tout sur la famille, trouver des solutions. Tout mon façon à Colimbisaï, en tant que chrétien, tout mon façon à Colimbisaï. Puisque il m'a dit, non, na bengane, c'est un personne nanga ici faut assembler un tabac assembler un bacasi ya masanga pour la ça comme si à foutre tout quelque chose on n'a pas besoin de ça la réputation ne s'achète pas il a déjà fali il nous a déjà fali mais on ne peut pas là comment récupérer situation. En fait, la réputation ne s'achète pas, papa Sengi. Dans les messages en question pour nos téléspectateurs, Isaac est aux États-Unis. Il a dit que le salaka par téléphone a aidé pour transporter les meubles dans le niveau de Lubumbashi et puis commence à se plaindre. Après bonne volonté, il a aidé qui est. Bon, comme il n'était pas content de service, il a peut quand même au foot quelque chose. Mais comment il peut quand même oser à créer une histoire bonne pour dire que ça la trafic y a bana et puis communauté congolaise na kati Afrique du Sud awa bah on peut quand même se panzani partout non seulement na Congo awa na Afrique du Sud mais comme déjà partout dans le monde entier mobimba. Alors hier aux États-Unis kuna je ne sais pas est-ce que tindela que ba voice yango de façon que ko tindela parce que to jouer yango to azo bengo na téléphone pas s'excuser que et ils avaient peut-être très bon, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il a appris à bien recréer l'histoire Rwanda. Bon, il m'a envoyé un message, hein, il m'a envoyé un message, sauf que Yoringi, j'ai pu confondre un message Rwanda dans le compte de WhatsApp. Comme ça, tu peux aussi lire ça là-bas. Ah ok, ça va. Merci beaucoup papa Sengi. Je sais que vous êtes à Lubumbashi Sikoyo parce que audio Otoyoki Ponaye, donc c'est comme si tu as embargo qui est à Lubumbashi, vous êtes escroc, vous êtes à la trafic Yabana, tout ça. Mais en réalité, les messages qui sont aux États-Unis, et puis qui sont déjà pas copie naïe. Est-ce que vous avez qui sont dans le bureau Nabino? Papa, Baki Tiwana. Depuis que copine naïe a joué qui bakiti wana, ce n'est même pas moi qui ai acheté. Voilà, moi j'ai fait seulement les transports. Donc, le problème qu'il y a entre lui et moi, c'est le problème. Il y a remise ou la salle la cahier à $200 que je vais payer. Ok, ok. Donc, pour lui, maintenant, il voulait me faire une pression. Et Oumeli, Yango s'est décidé à caca monter histoire mon boy pour qu'à salir naïe. Merci beaucoup papa Sengi, je ne peux pas vraiment prendre beaucoup de votre temps. Quel est le message que vous pouvez donner na ba ndeko congolais ou bazola na bisse na minute par rapport à l'accusation au ndeko Paul à Salelio, ce qui n'est pas vrai, il y a ndeko tazana azana tort et puis en tant que responsable, je crois qu'il est responsable aux États-Unis. Est-ce que ils ont un message moi au peuple na communauté congolaise na minute? Je sais qu'on aura le temps. Tu es encore au Congo, à Lubumbashi. Moi, si je vais descendre à Jobu, à la Mingité, on va quand même s'asseoir aussi pour tout ça, la sur émission live. Ok, c'est Péli, en tout cas, puisque ce que je peux dire, na bande de Konabiso, Baonyo Sobalanda qui va Baninoana, et surtout na Baoyo Baibingai, je crois ils vont les témoigner, puisque Baibi, comportement Nangai, Baibi Fat. Façon gai sengi na salaka bah et puis façon gai business nanga et tambolaka donc moi je vais seulement leur demander de démentir na oyo bah et bien partir ya comportement nanga et je crois ça peut faire quelque chose, ça peut faire quelque chose. Alors jusque là vous n'avez pas encore causé avec la famille hein, pour la mesure monsieur parce que l'accusation à Bongo bon quand même un peu monter la justice hein. Parce qu'à créer une histoire, tu as une allégation, mon cobo, et à créer une histoire, vous pouvez l'amener en justice, quoi, qu'à Zaliban dans les États-Unis. Est-ce qu'il y a une mesure que vous avez pu penser, Ponaye, à part peut-être que vous allez lui pardonner jusque-là? Rencontre à Naina Famille Mouvimba, je crois que ça sera les lots dans Foko. Et puis après, les lobbies, accusation, fausse accusation, pour que
aider et protéger Ngaï, puisque je ne vais pas vous mentir, même déjà au niveau il y a frontière, il y a Zambie, il y a Zimbabwe, oui. J'ai été interpellé pendant, je crois, plus de 4 heures du temps. Okay. Par numéro 2, il y a immigration zambienne, oui. Tozaki n'a un bureau comme Yébique, les Kaka. Et il m'avait même libéré, je crois, à 20h30, quelque chose pareil. Ah, ok. Alors, donc, juste pour un message un peu à moi, ceux qui 30 secondes, ceux qui 1 minute, tu as là-bas conséquence, mes mélios peuvent affecter, mais Moussa Lanayo, vraiment, est-ce qu'il peut se rendre compte qu'il y a Marambo Azo Salapinza? Yango Papa Bolobo, moi je peux vous dire que ces messieurs-là, moi, il m'a déjà tué, pour moi, il m'a déjà tué. Oui. Il m'a déjà tué. En tant que chrétien, j'accepte de les pardonner, mais c'est quelque chose qui restera toujours gravé dans mon cœur. Gravé dans mon cœur. Puisque c'est un criminel. C'est un criminel pour moi. Il m'a déjà tué. Okay. Voilà, merci beaucoup Papa Sengi. Je ne sais pas si un mot de la fin, il y en a. Il y a eu salutation. Naba client Nayope, peut-être un message pour eux. Bah, on va passer sous confiance. Naba partenaire Nayo, Naba sponsor Nayo, Naba sapotara business Nayo. Bon, en tout cas, ce que je peux dire à tous mes clients, ma partenaire, Nayo, tous les gens qui s'apportent donc je mets la confiance en Ngaï. Je suis un responsable, je suis un grand intellectuel. Je ne peux pas faire business chez Marwana. Ou sinon, si on le faisait, on pouvait même avoir déjà des problèmes depuis longtemps. Banini en tout cas. Pas dans la cadre derrière Ngaï, tenir business Nangai, je ne peux jamais les trahir. Malgré tout, il y a vie, donc il n'y a personne qui peut être donc parfaite, mais je sais que problème n'a pas tout. J'ai fait mon travail, Ndenge Singeli, ceux qui n'ont vu une bonne côté, n'ont vu une bonne côté, ceux qui n'ont vu, n'ont vu. S'il y a un problème, mon numéro, donc Afrique du Sud, c'est plus 27, 16-18, ils peuvent m'appeler. Au Congo, plus 249, 725-11-13, ils peuvent toujours m'appeler. Ok, voilà. Merci beaucoup, Papa Sengi, pour votre disponibilité. Je crois que le message est passé. Bandeko communauté congolaise, docteur Eli, commandant Anderson, Ndeko Charlie, Bazana communauté congolaise, Najobu Rwana, Balandi message. Je crois qu'on soit comme les bons dans privé pour leur dire que c'est faux, c'est archi faux. Vous êtes libre, ça fait un bout de temps. Vous êtes salam salam, Nayo Nakati, il y a impôt export, et puis il y a un transfert, il y a marchandises, dans le niveau à Congo, Lubumbashi, et puis dans l'Afrique du Sud. Alors, vraiment, grand merci, Nayo Penda. Merci beaucoup, Papa Bolo. Okay, ça va. Bon, bonne journée à toi, Papa. Voilà, c'était Papa Sengi. Vous avez suivi. Commandant Anderson, Ndeko Charlie, Mingedi, Docteur Eli. Je crois que vous avez suivi. Papa. Vous avez suivi Papa Sengi en direct de Lubumbashi. Parce qu'on a tenté de le recevoir, il était à Ndola, Zimbabwe, et puis il nous a dit, Boloa, tu m'attends seulement que j'arrive à Lubumbashi, là le réseau sera, sorry, ce sera quand même favorable pour que nous puissions donner cette information, et puis démentir cette information que ces messieurs Paul,
Vous avez suivi son nom, il est aux États-Unis, un de ses clients. Bah ça là qui n'est dit pas transassemblé bah Kitty alors à celle bah démarche en Afrique du Sud awa atindele bah photo mais ce n'était pas comptable Kitty wana yemoko message engagement, il a pris l'engagement pour solliciter une autre personne d'acheter le meuble et il a aussi utilisé Papa Sengi en tant que transporteur. Papa Sengi n'est que transporteur. Alors ils se sont discutés je crois $800 $700. Alors avec cette Papa Sengi a dit je vais te donner les discounts. Alors, en disant que je vais te donner des discounts, dis-moi, il a transporté ses meubles à Lubumbashi et sa copine a récupéré les histoires. Arrive, deux jours après, la copine, le meuble n'est pas en bon état, tout ça, il faut que vous puissiez rembourser la balance que vous avez dit comme discount. Et c'est juste ça. Et de temps en temps, les messieurs en question aux États-Unis dérangeant M. Sengi pour lui dire que non, comment la balance là, l'argent, ainsi de suite. Alors, curieusement, même Papa Sengi était surpris de voir cet audio être spread out. Et Panzani na bah, réseaux sociaux nous sur la carte Afrique du Sud. Ah ouais, je crois que peut-être parmi vous les gens de diaspora, vous avez reçu même les photos de Papa Sengi. Donc, ce qui est curieux, ce qui est bizarre avec cette histoire est que la photo là que vous avez vue Papa Sengi et la femme là en question, c'est pas sa femme, c'est sa belle-sœur. Mon so crée ma cambouze solo tes affaux. Biso ba kongole to linganite. C'est pas gentil comme ça. Biso ba kongole to lingana ta mukete. Alors bato pe bazwa ki ba information na ba photo, na nga personnellement quand on m'envoie, je me dis waouh. Papa Sengi, je connais ce monsieur ici, c'est un transporteur, c'est un businessman, comment il peut oser faire ça? Mais je ne peux pas dire ça dans les médias sans pour autant qu'on est en contact avec le monsieur. Voilà pourquoi je suis en contact avec lui, il est à Lubumbashi, c'est depuis le vendredi passé que j'ai tenté de l'appeler, il me dira que non, Azan Anzela avec des réseaux. Et aujourd'hui, vous avez suivi, communauté congolaise dans Cape Town, Ndeko Papi Soukam, l'ingénieur Papi Soukam, tu vois, il y a certaines informations qui se donnent, qui se propage au travers des réseaux sociaux, nous devons juste, il faut d'abord vérifier la source, si c'est vrai ou pas. Parce que quelqu'un peut avoir des rendez-vous avec quelqu'un d'autre, il ne va pas donner sa version. Il s'est fait Saint-Paul ou Saint-Pierre. Mais lorsque vous suivez la source, vous allez remarquer que c'est une autre chose. Tel est le cas de ces messieurs-ci. Bande Konanga Bolanda, Azamute. Donc, ils abusent de sa part, mais créer l'histoire que il est trafiqueur d'enfants de Lubumbashi en Afrique du Sud. Maintenant, la réputation de ces messieurs est en cours, est en ligne. Il a été même stoppé à la frontière de Zambie pendant 4 heures du temps. Le directeur général de la frontière de Zambie lui a dit non, nous avons reçu des photos comme ça. Toi, tu fais trafic d'enfants. C'est une infraction très grave ici en Afrique du Sud, même dans d'autres pays. Si tu es trafiqueur d'enfants, on va vraiment t'arrêter. Tu vas faire la prison à vie. Il a voulu, il s'était prévu, il fallait qu'il se justifie pour dire que c'était faux, voilà, A, B, C, D. Voilà un peu, chers amis, compatriotes congolais, s'il vous plaît, Tolingana, ceux qui ont une information, en solo, ont une information, ou y a solo, ont une société, yebande n'y a qu'au protéger. Après tout, m'ta rende au service. Si vous comme qu'on crée, bah, histoire, pour n'en rebêter sa réputation. Même qui colongo, grâce, ma boaka, grâce, ngolou, a kondi mataba bêtise, en n'ingwanate. C'est un parent, même le papa pour la aussi un parent, n'est-ce pas? Mais c'est Papa Sengi, c'est un parent aussi. Vous ne pouvez pas quand même arriver à niveau à salut réputationnel. C'était quelqu'un qu'on respecte dans la ville ici. Il fait un bon business, moka bien, compagnie Vandi Nango, il est transporteur, tel que nous, les gens que nous respectons. Papa Viki Ndunga, à la grâce. Masala Msala Kitoko, FBT Fiki Popol, Masala Pem Msala Kitoko, Bazé Bele Wana, Masala Msala Fred Kitoko, et Bele Papa Fidèle, Masala Msala Kitoko, n'est-ce pas? Donc, Baza tellement ébélé. Papa Benjamin, Praise Logistique, je n'ai pas oublié aussi. Il fait un bon travail ici. Baza la bus na bangweza, ma blog à partir d'Afrique du Sud, tine à niveau Lubumbashi, juste pour avoir quelque chose, ya qu'on nourrit ma famille na bango. Voilà, nous démentissons cette information qui a été diffusée dans les réseaux sociaux que Papa Sengi est un trafiqueur d'enfants. Il n'est pas trafiqueur d'enfants, c'est un businessman. Ce monsieur-là a un problème. Vous avez suivi Papa Sengi encore, il a dit, en tant que chrétien, il le pardonne. Mais ils vont s'asseoir avec la famille, ils vont mener ses audios aussi à la justice pour qu'il soit protégé, avoir une lettre pour permettre qu'il fasse va-et-vient dans des bodas, dans des frontières zimbabwéennes, zambiennes et puis Afrique du Sud ici, qu'il soit protégé. La conversation continue, si vous avez des questions à poser, vous avez encore d'autres sujets que vous voulez nous proposer. Une information, vous êtes là, maman, papa, écrivez-nous, nous allons toujours aller à la source pour éclairer l'opinion publique. Moi, c'est Joseph Bolo. YouTube, c'est Congo Dialogue. Abonnez-vous massivement. Merci à Maman Francine de la Belgique.
Prof à Bellon, encore mes condoléances. Prof Bellon Roland, mes condoléances. Vous avez perdu votre maman au pays. Pour ma condoléance ensemble, tous ensemble, la Bakris Vangadi et tout. Nous sommes ensemble avec vous. Que Dieu console encore, te console et puis console toute la famille. Voilà. J'ai dit aussi grand merci à Francis Bambongo, les bourgeois, à Batpe Bossalam Salagitoko. Donc, Osalam Salagitoko, Bajalou, Babimba, Krilo, Masolo. Laura ba Francis Bambongo, les bourgeois. Hein, papa Francis, t'as la Babimba, Riba, baby, c'est réputation, papa Sengi. Mais bisous, tout ça, on a poto loba. Yo, papa Paul, au fouta, quand un jour, ma camozo, créon. Est-ce que vous m'avez dit, n'a pas pardon? Tous les messages, on a suivi, ça pas audio, t'as replay, en haut. Salapi Bodium, supposé, n'a pardon, panzango, tu peux une photo, n'a une photo, maman. Salapi Bodium pour demander pardon. Tu vas pas lui demander pardon à inbox parce que ça les messages qu'azo te kabana na public bah tout bazar non la réputation de papa Singhi était maintenant bafouée ça la peut audio aussi nga pardon panza on ngo panza kiango là peut-être l'école communauté sera convaincue de ça. Ça va, bye bye, on se retrouve à la fois prochaine. Restez branchés sur Congo Dialogue jusqu'à un prochain numéro. Bye.